Salut les gens! Et bienvenue sur notre chaîne YouTube! Passion Pokémon! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'ouvrir deux super beaux items. Donc une petite tine Pokémon Go, ouf, je tiens à l'envers, avec le petit Pikachu et un joli tripack Bulbizarre. Donc on va commencer par le tripack et on terminera par la tine. Donc on espère qu'on aura de jolies cartes pour compléter notre set qui est bien avancé pour le moment, donc ça c'est génial. Le but alternatif toujours but ultime avec le petit Dracofeu radieux. Et puis bah écoutez, avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. Merci. Alors, je nous ouvre ça tout de suite. Ah oui, d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la dernière vidéo spéciale Halloween, qui est incroyable, avec une mise en scène incroyable. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas rater. Et ça nous ferait super plaisir d'avoir vos retours, parce qu'on s'est beaucoup investi pour vous tourner une vidéo vraiment sympa. Donc, ça nous ferait super plaisir. Dans un décor effrayant et véridique. Exactement, c'était, on ne pouvait pas faire plus effrayant et plus authentique. Voilà. Alors, on les ruines d'une ancienne abbaye. C'est ça. Ne nous demandez pas comment on a accédé. On garde notre secret. C'est ça. Alors, les petits codes, hop, on les garde pour nous. Alors, donc, ils sont trop beaux, ces tripacks. Le petit emballage. Si j'arrive à ouvrir, hop là. Alors, les boosters qui veulent se promener. Il y a beaucoup de mal. Alors on commence par un incroyable pins, trop mignon. Il est trop cute. J'adore le pins, il est incroyable. Ah, il est magnifique, franchement trop réussi. Avec notre petite carte à code qu'on garde pour nous, voilà. Et une super jolie petite promo, donc c'est bien une promo, hein, de petits bulles bizarres qu'on a cadeau. C'est trop mignon. Il va nous donner les ultra rares. C'est ça, il nous apporte les ultra rares sur un plateau. Magnifique. C'est parfait. Merci bulles bizarres. Merci. Merci à tous les petits Pokémon. Merci. J'ai fait tomber un booster. Hop. Les trois boosters dans lesquels on espère avoir des trucs incroyables. Bon, on commence tout de suite. Allez, bon bah, je vais commencer, ça fait un moment que j'ai pas commencé. Allez, professeur Ginette. On met les petits bulbizarres qui nous portent chance, et on est parti. Alors, attends, alors, je te dégage. Il faut qu'on ait... Alors, on a eu les deux Rainbow, des Dracolos et Mewtwo, donc ça, c'est parfait. Il nous manque l'Alternate, et le Mewtwo Gold aussi, hein. Ça, ce serait pas mal du tout. Mewtwo Vestar Gold. Oui, Vestar Gold, c'est vrai. Oui, on a eu l'Alternate de Beto Chef, mais on n'a pas eu encore celle de Mewtwo. 3, 4, 1, 2, oula, 1, 2, 3, 4, 1, oula, je tu je sais plus faire la manip. Tu veux je suis fatiguée. C'est les boosters Tricortrade, il n'y avait pas de manip, donc j'étais perdue. Ici, on avait une petite. Ah oui, toute petite. On commence avec un petit Evoli. Ah oui, il nous faut toujours un métamorphe, on n'en a toujours pas eu. Ils le font exprès, c'est pas possible. Pikachu, Carapuce, Castorno, Rattata d'Alola, Energio, Capitaine d'équipe blanche, qu'on veut bien aussi un dresseur foulard parce qu'on n'a aucun dresseur foulard pour le moment, donc... Ah, Air Bizarre. C'est-à-dire qu'on aura Florizarre en radieux. Incubateur d'œuf. Ça veut dire aussi qu'on n'aura pas de métamorphe. Un Reverso, un joli Reptincelle. Et un Articodin. Ah bah pour finir le trio, il nous manquait. C'est celui qui nous manquait. Ah oui. Bon, bah, ah bah super, et bah voilà. Bah c'est très bien pour nous. Bon bah c'est parfait. Là honnêtement, je suis un peu perdue. Il y a tellement de géographie que je sais plus tout ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Bon, Mathis, Alex, à toi de jouer. Allez. Oui, puis en plus, comme on passe d'une extension à l'autre, c'est vrai qu'on finit un peu par s'y perdre. Ouais. C'est vrai qu'il y a tellement de trucs là qui sortent simultanément. On n'a même plus le temps de finir une extension qu'il y en a une nouvelle qui ressort. C'est un peu dommage d'ailleurs. Parce qu'honnêtement, ça va trop vite. On n'a même pas le temps de compléter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop là. Allez, Motis Padex. Pack-nous un truc incroyable. Merci. Alors, Evoli, Salamèche, Capumain, Bulbizarre. Ah, Bulbizarre. Partout, chance. Charalot. Qui n'est pas un métamorphe. Hein. Toujours pas. Energiopie. La tristesse. Cédéroc, Impact, Moduleur, Arriver, sauf qu'il est boué. Oh, wow,
c'est Dracolas, c'est ton meilleur ami. Ouais, c'est ça, mon Dracolas. Full art. Elle est incroyable. Ah ben génial. Bon, voilà. Super ce tripac, il commence, enfin il est très bien. Voilà, très oui, il faut pas qu'il finisse comme ça, hein. Et on a encore un booster. C'est ça, il nous faut encore un hit. Allez, vas-y, Boubou. Ah bah bravo, Motisma. Merci. Ah, elle est vraiment super jolie en plus. Hein. Franchement, très belle full art. En plus, on a beaucoup de Dracolos. C'est un Pokémon qui est vraiment... Oula, comment je vois le booster? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui est vraiment super sympa. Non, puis là, franchement, l'illustration est très réussie. Déjà, moi, j'aime beaucoup la V toute simple qu'on n'avait même pas réussi à voir encore. Eu, hein, et en fait, qu'on a fini par acheter au cours d'un live. Ouais, on s'est dit, écoutez, même si on l'a, on adore Dracolos, donc ce sera merci. Jamais perdu. On commence par Métan, Salamèche, Capumain, Bulbizarre. Ah. En fait, dans chaque booster Bulbizarre, c'est... Il faut un Bulbizarre. C'est ça, puis c'est un booster chance en fait. Super bonbon. J'ai l'air appétissant. Camerus. Bon, sûr que multicolore comme ça, là. Niam, niam. Équipeur d'œuf. Un holo. Poissillon. En river. Et... Melmetal. Je crois pas qu'on l'avait. Écoute, non, franchement, je sais plus. Là, je sais plus. Ben, c'est bien, une petite holo. Bon, allez. On mange de la tine. Voilà, allez, professeur Ginette, montre-nous la tine. Donc, c'est Boubou qui ouvre son deuxième booster, parce qu'en fait, entre le tripack et la tine, ça nous fait 5 boosters. Donc, comme elle avait manqué une ouverture, puisqu'elle avait été malade. Voilà, donc on lui laisse un petit booster de plus. Et puis, maman, elle va en ouvrir un aussi. Allez, bonne chance. Alors, j'aime trop le jeton qui est trop beau. D'ailleurs, il y a une abonnée qui m'a dit, en fait, je ne savais pas du tout, qu'apparemment, c'était le symbole des pièces dans Pokémon Go. Donc, apparemment, c'est ce petit Pika qui est dessus, je ne savais pas, honnêtement. Et il est super joli. Ouais, j'aime vraiment beaucoup cette illustration. Enfin, cette illustration sur un jeton, en plus. La petite carte avec les petites informations sur Pika Pika. Ah, trop mimi. Que Motis Madex va apprendre par cœur. Un petit Meltan, Meltan dessus. Ah oui, dessus. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un petit Meltan sur chaque petite tine. Oui, il ne faut pas l'oublier quand même, hein, ouais. Le petit Pokémon. En plus, on l'aime bien, franchement, Meltan, il est super. Il était dans Soleil et Lune. C'est ça, en plus, un Pokémon Soleil et Lune, c'est assez drôle qu'il le ressorte. Par contre, c'est un peu tout cassé, les boosters. Hein. C'est un peu de la bouillie. Bah, c'est un peu le problème dans ce genre de thème. Allez, Boubou. C'est comme dans les Pokéballs, en fait, c'est tout écrasé. Oula, j'ai un peu cassé le booster. Allez, Boubou, passe-moi un truc. Faut que tu nous packes une radieuse. Allez, pack-nous Florizarre Radieux. On l'a voilà, pas. Voilà, oui, c'est ça. Il nous en... Et puis Dracaufeu, accessoirement. Il nous manque le Dracaufeu. Un des deux, ce serait super. Allez, oui, on n'a pas assez de notre collection. Et Brillex, Capumain, Mimigal, Rattata de Galar. Nouveau Rattata de Galar. Bah. Une exclusivité dans notre chaîne. Super bonbon. Donc voilà. Voilà, c'est l'heure du goûter, c'est pour ça. Plaisant. En reverse, en Brillex et en Samurai. Samurai. Hey, c'est les Samurai. Hein. Franchement, elle parlait de Pokémon d'Alola que j'aime beaucoup. Allez, maman, vas-y. C'est à moi de jouer. Pack-nous un truc. Ce serait bien qu'on ait au moins un hic dans la tine. Ouais, mais c'est vrai que les teens, c'est pas connu pour être l'item le plus... Ouais, c'est ça. Bon, allez, adieu, booster. Bon, je crois que j'en ai quand même réussi à sauver, hein. Je crois. Alors. Allez, alors... Poissijon, mon ami, Magikarp, ouais, mon copain, Onyx, Evoli, Chamallow, Énergie Métal, Le Vénard. Il y a le fourré sur la tine. Ouais, aussi, c'est des petits Pokémon qu'on retrouve. Ah oui, là. Solarok, Nymphali. On l'avait pas en plus.
Migalos. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un micmac de... Ouais, je pense que tu t'es trompée. Ah bah mais le métal. Ouais, bah je suppose. Bah non, c'est bizarre. Bon, je sais pas, écoute, c'est pas grave, décidément. Oh, t'as dû tomber, c'est pas grave. Hop, mêle métal. Bon, et ben pas mal d'holographiques de mêle métal cette fois-ci. Ouais. Mais on a quand même eu notre magnifique Dracolos V qu'on n'avait pas. Full art, oui, pardon. La V, on l'a toujours pas, hein. Heureusement que je l'ai acheté en fait au final. C'est ça, à la fin, on l'aura même pas packé. C'est déjà, ils l'ont packé 72 fois. Bon, bah écoutez... Et comme les métamorphes, hein. Je voudrais pas dire, mais les métamorphes, clairement, on va finir aussi par les acheter, par en acheter moins. Bon, après, j'ai appris il y a pas très longtemps qu'en fait, on en paquait pas tant que ça. Ça tombait tous les 25 boosters, je crois. Enfin bon, du coup, quand même, nous, apparemment, ça tombe pas chez nous. Enfin bon, écoutez, on espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez vu les jolis petits items qu'on a ouvert et puis peut-être ça vous a donné envie de les ouvrir, je ne sais pas. Si la vidéo ne vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos qui sortent tous les samedis et de temps en temps en semaine quand on vous partage quelque chose. Et sur ce, on vous dit... Salut les gens !